parle de quoi? Le parcours de citoyenneté. Oui, allez, on y va. Il y a un café? Oui. Alors c'est bon. Bonjour monsieur. Permettez que je bois, vous êtes en retard alors. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions pour le sondage. Oui. Pouvez-vous nous parler du parcours de citoyenneté, s'il vous plaît? Ah, là-dessus, j'en connais un rayon. Hein. Ma mère est ambassadrice à l'ONU. Donc, ça se passe en quatre étapes. La première étape, ce sont des cours en troisième sur la défense, des cours en première sur la défense. Et à 16 ans, on doit se faire recenser à la mairie. Et à l'âge de 18 ans, on doit assister à la journée de la défense et du citoyen. Et en quoi consiste cette journée? Cette journée consiste à prendre connaissance de l'organisation de la défense et à visiter des casernes et les métiers de la défense. Merci monsieur. De rien. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Tout d'abord, merci au Royaume-Uni, à la Russie, la France, les États-Unis et de l'ONU. Donc, nous avons de sérieux problèmes de sécurité en Afghanistan. Que proposez-vous comme solution? Je propose l'envoi de casques bleus. Je propose également la même chose. Nous allons faire un vote à main levée. Qui est pour l'envoi de casques bleus en Afghanistan? Bon, nous allons donc envoyer les casques bleus là. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste, quel est le rôle de l'ONU, s'il vous plaît? L'ONU a pour rôle de maintenir la paix et la sécurité internationale, développer des relations amicales et égalitaires entre nations, résoudre la misère et promouvoir les droits de l'homme et tenter de faire respecter le droit international.